bonsoir et bienvenue pour ce 94e épisode d'Anime Time. J'ai cassé mes lunettes. Justement, en parlant de ça, si vous voulez mon avis, je trouve que je ne parle pas assez de moi dans mes vidéos. Tu parles déjà trop, pas la peine de rajouter. Par exemple, je pense que beaucoup d'entre vous ne savent pas que je suis développeur et je fais mes études dans ce domaine. J'ai programmé le bot Jean-Pascaline de mon serveur Discord. D'ailleurs, venez sur mon serveur Discord. JP envoie des news. Et je me suis toujours demandé à quoi pourrait ressembler un animé qui parle de programmation et de création de jeux vidéo. Puis j'ai découvert New Game et ma vie a changé. Tu t'es transformé en pub YouTube. Ce qui est particulier avec New Game, c'est son origine. A la base, c'est un manga Yonkoma, Shotaro Tokuno. C'est en quelque sorte un comic strip, si vous préférez. Si vous voulez un comparatif avec une série de mangas qu'on peut connaître, il y a la série de mangas dérivée d'Haruhi Suzumiya, Churuya. Et c'est là tout le souci. New Game est adapté en animé en 2016 par le studio Doga Kobo. Et actuellement, ils ont annoncé une troisième saison. On en est à 24 épisodes répartis sur deux saisons. Spoiler, j'adore New Game, vraiment. Et d'ailleurs, ma note personnelle est un 4,5, mais il y a quand même quelques soucis qui se posent au niveau de cet animé. Autant que pour Prépara, d'ailleurs. Comment la putain de vorace, vous pouvez faire un animé aussi génial et aussi long à partir d'aussi peu de matériel? D'ailleurs, le manque de matériel se ressent surtout dans le synopsis. Ouais, dans cet animé, on suit Aoba Suzukaze, une jeune fille qui a décidé, à contrario de sa meilleure amie, Nene Sakura, de partir travailler directement après le lycée. Pour ce faire, elle a réussi à décrocher un emploi dans une boîte de jeux vidéo, Eagle Jump. Vous avez vu quelle heure il est? On parie combien qu'il va sortir un truc du style c'est l'heure de faire avancer l'intrigue? Je parie 10 balles perso. Faux, il est 18h07. Par contre, c'est l'heure de les entendre dire, comme par hasard on prend temps. Aoba, depuis sa naissance, est passionnée par un jeu vidéo nommé Fairy's Story. Et c'est également une fan incontestée de la directrice artistique de ces jeux, Ko Yagami. Devinez qui travaille à Eagle Jump et dans quel département s'est retrouvé Aoba? Le département artistique sous la tutelle de Ko Yagami. Et devinez pour quel projet? La suite de Fairy Story, comme par hasard. Je sais. Bon, maintenant concluons sur New Game. Où est le problème, sachant que cet animé change de ce qu'on voit d'habitude? Que c'est un slice of life. Que les personnages sont ultra attachants. Néné, baisse-toi, il faut. Que l'intrigue est très simpliste. Bah, le problème, c'est la répétition. Vu ce qui se passe dans la saison 1 et la saison 2, il y a de très fortes chances que la saison 3 soit une pâle copie de la saison 1 ou de la saison 2. Déjà que la deuxième saison répète trop ce qui se passe dans la première. Heureusement que Néné était là quand même. Et ça, la répétition, c'est le seul truc qui gâche cet animé. Enfin, forcément, c'est un slice of life adapté d'un Yonkoma, donc... Et quand il n'y a pas beaucoup de matière, justement, 3 saisons pour ça, je pense pas. À mon humble avis, s'arrêter à la saison 2, c'est le meilleur choix à faire, je pense, pour cet animé. Ça nous laisse sur une fin convenable, quelque chose qui prouve qu'il y a une évolution entre le moment où Aoba est rentré à Eagle Jump et la fin de la saison 2 où Aoba a déjà pas mal d'expérience. Encore une fois, ma note personnelle, ce sera un 4,5. New Game, c'est vraiment un très bon animé que je vous recommande. Je lui ai pas mis 4,5 pour faire joli, vraiment. Voilà, c'est tout pour ce 94e épisode d'Anime Time, j'espère qu'il t'a plu. Si tu veux plus d'animés comme New Game, avec la petite fiche en haut à droite, appuie sur le +1, et si t'en veux moins, appuie sur le -1. Si cette vidéo t'a plu, tu peux comme d'hab liker la vidéo, partager, t'abonner si c'est pas déjà fait. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, Reddit, ou rejoindre mon serveur Discord. C'était Hunter, on se retrouve le 30 mai pour le 96e épisode d'Anime Time, ciao.